Yo tout le monde, c'est Inc et bienvenue dans cette dernière vidéo de la journée du bon plan. Je pense que c'est la dernière de la journée. Aujourd'hui c'est un bon plan, enfin actuellement maintenant c'est un bon plan Steam. C'est Head Snatchers qui est disponible gratuitement jusqu'au 22 mars. Donc c'est pour ça que je vous mets ça samedi, comme ça vous avez une journée pour le récupérer. Vous avez jusqu'au 22 mars, dimanche 22 mars à 18h pour le récupérer. Voilà, au lieu de 12,49€, il est gratuit à 0€, donc... C'est un party game, à ce que j'ai compris. Il est en français le jeu, donc voilà. Donc j'espère que je pourrai y jouer, même si je suis tout seul, on verra bien. Pour vous montrer un petit peu de gameplay. Et j'ai aussi un truc à vous dire. Comment ça s'appelle? Le fameux bon plan avec les 6 jeux, que le développeur donne 6 jeux. Enfin, faut juste en choisir un, mais il y a 6 jeux. C'est un peu le bordel parce qu'il nous envoie un message privé, un lien qui nous amène vers un Google Sheet. Et sur ce... Non, pas un Google... Ouais, si, un Google Sheet. Et sur ce Google Sheet, c'est vraiment la merde parce que t'as toutes les clés mises par catégorie et puis il nous demande d'utiliser une clé, de mettre notre pseudo et un message si on veut et d'effacer la clé quand elle l'a récupérée. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas fait, donc j'arrive pas à récupérer le jeu Snowball que je veux pour ça. Donc j'ai réessayé après cette vidéo si j'y arrive, voilà. Donc... Pour ce bon plan, Head Snatchers, faut cliquer sur Ajouter au compte, comme d'habitude, et puis on peut procéder à l'installation qui fait 6511 mégas. Donc ça va, c'est pas un très très grand jeu. Et après, il attribue l'espace automatiquement. Mais voilà, alors ça a l'air d'être, comme je vous ai dit, un party game, humour mignon. Donc, le but, jusqu'à 4 joueurs en local et multijoueurs en ligne, où vous devez piquer la tête de vos admis pour obtenir la victoire. Voilà, on doit piquer la tête de nos ennemis, des autres participants. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne en gameplay. Donc on se retrouve pour le gameplay tout de suite. Et donc on se retrouve pour le gameplay de Head Snatchers. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il était en français. J'ai envie de voir vite fait les options pour voir ce qu'on peut changer. Ok. Ok. J'aime beaucoup les trucs là, les... Wouhou! Alors, on peut jouer en ligne, à ce que je vois. Avec équipe ou tourne à déchaîne-toi 2 joueurs ou plus. Ah ouais, donc faut jouer en... Là je peux pas y jouer parce que faut avoir des amis en équipe aussi. Bon, on va essayer de faire en ligne, partie rapide. On va voir si on peut essayer de trouver une petite partie rapide pour pouvoir tester le jeu, voilà. J'aime beaucoup la musique. Ou alors je sais ce que je fais. Bah, le jeu il a des... Ouais non. Le jeu m'a dit ah ok, bah c'est parti, allez let's go. Oh le panier, bon faut attendre d'autres joueurs à ce que je comprends, mais alors j'essaie de voir les boutons pendant ce temps là. Bon, vous savez quoi, je vais quitter et on va faire un truc, on va y aller en tournade. Voilà, on va prendre le 8 par exemple. Et le deuxième joueur. Fuck, attendez. Allez, le deuxième joueur, il peut même pas jouer. Putain, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Enfin, des roulettes. Ouais. On est obligé de jouer avec Château de Zombies, c'est quoi ça? On va faire en facile. Parce qu'après on va dire que je suis une merde. Ok. Ok, c'est bon, on a trouvé un truc. J'ai gagné plein de succès. On peut pas passer si c'est bon, pré-start. Ah, on s'en fout. Alors, il y a ça à faire en solo, je pense. Donc, on va tester pour voir si ça marche en solo. Et je pense que c'est mieux de jouer avec une manette qu'au clavier, ce jeu. Et je dis ça, ça se trouve, j'y connais rien, donc... Je peux pas savoir. Appuie sur A pour sauter, ça j'avais compris. Donc là on est plutôt dans un petit jeu de plateforme. Waouh, j'ai eu peur. Petit jeu de plateforme tranquillou. Hop là, ah il est parti. Parce que je regardais Discord en même temps. Je suis mort par quoi? Ah parce que ma manette elle a bugué. Parce que de temps en temps ma manette me fait bouger tout seul. Me demandez pas pourquoi mais ma manette quelquefois me fait bouger tout seul et... Elle m'a foutu dans la lave. Arrête de bouger! Je sais pas, j'ai des problèmes de câble avec la manette. C'est fou.
bien armé. Ok, point de contrôle. Non, je suis tombé. Non, la maniabilité est plutôt pas trop mal. B. Il me disait quoi? Ok, ah! Appuie sur A. Bah, j'appuie sur A. Alors, le bouton X ou Y pour tirer, je trouve ça un peu moyen. Mais ça fait rien. Ah bah enfin! J'ai lancé le truc. Il est revivant, on est d'accord? Appuie sur A, voilà. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Bon, niveau 1 terminé. Youpi! Oh là là, il y a carrément des obstacles à éviter. Ne pas toucher les lames, ça j'avais compris. Wow! Oui, oui, oui. Oh, je suis mort. Je suis tombé comme une merde. Donc je pense que ça, c'est le mode, entre guillemets, solo, on peut dire, du jeu. Par rapport au reste qui est... Non, non, laisse-moi être tranquille. J'ai failli tomber. Le checkpoint. On prend les wings. Et les wings. Non, je suis tombé. Je suis toujours à étage 1 dans le niveau 2. Oh bah là, j'ai fait de la merde. Bon, si je remeurs, j'arrêterai. Et on regardera ce qu'il y a d'autre. Même si je réussis le niveau, je vais arrêter. Parce que je veux pas vous faire un truc qui dure. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 662 ans. Voilà. Fin de ce niveau. Alors on peut voir que j'aime beaucoup. On va aller faire menu. Parce qu'il y a château de zombies, il y a création de tête. Ah, on peut créer une tête, mais c'est trop bien. Oh, c'est kiffant. Voilà, par exemple, si vous voulez une tête, voilà. Oula. Ah, on peut se créer une tête, mais c'est trop bien, c'est du... C'est entre guillemets Monsieur Patate. Eh. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans ce... Mais c'est trop bien. Je vais kiffer ce jeu. Appuie sur B pour annuler. Oui, oui, je confirme. Ok. Création de la tête, c'est vu. Ah merde, retour au menu principal, vas-y. Mais non, mais je m'en fous de ton... Parce qu'il faut être plusieurs. Création de tête et collection d'autocollants, c'est quoi? Ok, c'est des autocollants qu'on doit gagner, je pense, en jouant ou des trucs comme ça. Voilà. Et bah, c'est plutôt sympathique comme petit jeu. Donc voilà, je vous le conseille. Il y a à le prendre, il est gratuit. Donc voilà, pourquoi pas. Donc c'était Link. A plus pour un nouveau bon plan, une nouvelle vidéo. Enfin, demain, il y aura d'autres bons plans, vous inquiétez pas. Mais là, c'est fini pour aujourd'hui, je pense. Donc, c'était Link. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi vous me rejoindre sur Twitch, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. A plus tout le monde. Bye bye.